Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et on s'était laissé, on explorait bien les grottes du Sycomore avec des araignées bien évidemment. Oh bah regardez, ça continue. Quelle chance j'ai. En même temps, fallait s'y attendre dans les jeux du genre, il y a toujours. Toujours, toujours des araignées géantes. Fait pas bon vivre dans un univers de JDR. On a trouvé le levier de la mine. Zimar, Kasomir, Opara. Les noms de ces trois cités du Tal'Dorei sont gravés sur des plaques métalliques ornant le coffre. On peut remonter, a priori. Directement chez les kobolds. Tout ce qu'il reste d'un camp de mineurs abandonné il y a plusieurs siècles. On peut, hop, glisser en dessous. Ah, le retour des mille pattes. Finalement, je préfère les mille pattes. Oui, il y a eu un affrontement là. Ah oui, bon, ça y est, ils se mettent à tirer les mille pattes maintenant. L'endroit a été le théâtre d'une grande bataille entre kobolds et mythes. Impossible de savoir qui en est sorti victorieux. Pas grave, on fouille. On est où là? On va partir par là pour l'instant. Voilà, c'est devenu psychédélique d'un coup. Il y a des plantes vertes, oranges, roses, bleues. La racine principale du vieux sycomore, c'est là que la graine de l'arbre géant a poussé il y a bien longtemps. On a des feuilles. Passage secret là aussi. En s'effondrant, la terre a emporté un trésor enfoui là. Quelqu'un va être très déçu de voir que son butin a disparu. Ouais, c'est bon, il a été recyclé. Moi, je suis comme ça, je suis sympa, je laisse pas les trucs pourrir. Mais Amiri, fonce pas toute seule, après t'es blessée. Regarde, maintenant faut qu'on te fasse des soins, Amiri. Ah, on a trouvé l'araignée géante. Mais géante géante là, hein. Pas la même que ce qu'on a combattu juste avant. Voilà, on a le bout d'araignée qu'il voulait, mandibule. Une recette de cuisine. Les eaux sombres laissent planer le mystère sur la profondeur de ce lac souterrain. Un bout de fragment calciné, de collier, un fragment de collier calciné, je vais y arriver. Ici, on peut remonter, non? Vers les grottes du vieux sycomore, non? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais plus où on monte, je ne sais plus où on descend. Techniquement, là, c'est le seul chemin. Et on devrait pas tarder à avoir fini cet étage.
Il y a une grosse traînée visqueuse serpentine dans la poussière. Quelque chose de très gros est passé par ici. Chouette. Là, on a des grenouilles. J'ai pas envie de me baigner dans l'eau, là. On est où, là? Voilà, voilà tout ce qui vient. Ah, bah voilà, 1000 pattes colossales. On sait ce qui a laissé une grosse traînée. Oh, des moins 3 de dextérité. Oh, ça sent pas bon, ça, les malus. Mince, j'ai plus de musique. Sachant que vous pouvez mourir hein, dans Pathfinder d'un manque de statistiques. Hein. Si votre statistique descend à zéro, bah vous êtes mort, en fait. Ok, on a eu le 1000 pas de géant. Il y a plein de bébés mille pattes. Oh, une petite boule de feu là dans le tas. Un casque abîmé de paladin du Restoff. Bah là, on va connecter. Grosse traînée visqueuse, oui. On l'a battu, la grosse traînée visqueuse. Il reste quelques mille pattes encore. Clairement, mille pattes et araignées, une caverne où je n'irai jamais de ma vie. Ce kobold a été littéralement coupé en deux d'un coup de mâchoire. Une mâchoire, hein, mille pattes. Ouah, on arrive, petit trésor. Un sanctuaire secret astucieusement dissimulé aux regards indiscrets. Pareil, la taille de la bête là, si ça c'est juste la tête. Là, on peut monter. Tac, et normalement, on recoupe. Et ici, il y a déjà des trucs tués. Bon, il nous restait les crapauds à voir. Le problème, c'est que je pense qu'on n'est pas assez en forme s'il y a encore un combat qui se déclenche. Hein. Attendez, on va se regrouper là. On va voir si on peut se remettre un peu bien. Arim pour l'instant a pas de sort. On va se faire quelques canalisations. Oh, à défaut d'être frais, au moins on est full vie. Pas l'air agressif. À mon avis, je touche le trésor là. J'en prends une. Grenouille venimeuse géante. Deux grenouilles venimeuses géantes. En réussissant à se frayer un chemin jusque dans les profondeurs, la lumière du soleil a donné naissance à cet îlot de vie. Bon, on se met là, on se retourne, comme ceci, on sauvegarde,
Vas-y Valérie, bon courage à toi. Crapaud en or. Ah, la cupidité. Hein. J'ai plus de musique, j'ai quelques bouts de... Enfin, quelques potions quoi, quelques potions explosives. Oh ça va, je m'attendais à pire. Je n'ai plus rien. Voilà. Je n'ai plus rien, tout ça s'est cramé. Ok, bon. Il y a des endroits où ça doit monter, des endroits où ça doit descendre. Sachant qu'on a un bout de levier et qu'il est censé nous donner le deuxième bout de levier, on pourrait passer le levier en haut. Je sais pas où ça monte, je sais pas où ça descend. Oh là, Valérie qui nous faisait n'importe quoi. On va récupérer les armures que j'ai larguées là. Voilà, comme ça on est bien surchargé et on est fatigué. On va aller dehors. Ah oui, mais la dernière fois qu'on a voulu camper dehors, ça s'est tellement mal fini. Oui, mais tant pis. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, tant pis. Hein. On va quand même camper dehors. Sous la flotte, a priori. On a une cape qui pourrait aller sur Arim. Arim qui est quand même aussi au corps à corps, donc on va lui mettre la cape. On a quoi là? Bandeau de sagesse, plus 2 en sagesse. Ben c'est pour Arim, c'est Arim qui utilise à fond la sagesse, c'est un prêtre. Et c'est tout. C'est tout, on n'a pas bien plus de choses du coup. Arim, normalement, voilà, ça t'a débloqué des nouveaux emplacements. Tac. De sort. Regardez, c'est déjà là qu'on a campé et où ça a très mal fini. On va camper à côté. On utilise les rations, oui. Bien évidemment. Attaquer pendant la chasse. Fallait s'y attendre. Attaquer pendant la chasse. Voilà. Des lézards voltaïques. Voilà. Voilà, on se calme. Prochain repos, ça va être un dragon. Ah, on peut juste se reposer ou on va mourir dans notre souffrance? Bon, ça va. La fin est inéluctable, la mienne, la nôtre, celle du monde entier. Ouais, c'est un prêtre très joyeux, Arim. Moen... Non mais j'en ai marre, on peut jamais être peinard. Moen s'est réveillé brusquement à l'intérieur de la maison. Des chiens aboyaient frénétiquement, non loin de là une odeur de brûlé flottait dans l'air. Ah, re le cauchemar de la maison. Regardez par la fenêtre, ça nous a tués. On va... ouvrir la porte. Moen a tenté d'enfoncer la porte de l'épaule, mais elle n'a pas bougé d'un pouce. Des flammes commençaient à lécher les murs, et Moen avait désormais le plus grand mal à respirer. Elle s'est laissée tomber lourdement au sol. Moen, sa peau était glaciale. Elle a entendu le murmure de l'eau et le léger clapotis des vagues.
En ouvrant les yeux, elle a vu le fond rocailleux d'une rivière et un cadavre boursouflé pris au piège des plantes aquatiques vertes. Le regard vide, le noyé l'a dévisagé sans ciller. La bouche du noyé s'est ouverte lentement et a coassé comme dans un dernier râle d'agonie les mots suivants. « La corneille, Mowen !» Sur ces mots, Mowen s'est enfin réveillée. Ruisselante de sueur, elle nous a raconté son cauchemar. « Oh, mais il y en a marre de mal dormir !»« Mais foutez-moi la paix !»« On est bien lourd, est-ce qu'on retourne en ville une dernière fois ?» Ouais, on va se faire un petit aller-retour. On va se faire un petit dernier aller-retour. Après, je pense qu'on pourra clean la grotte du Sycomore, à mon avis. Bah oui, Mowen est claquée. En même temps, elle dort mal à chaque fois. Va falloir qu'on aille le trouver, ce cadavre boursouflé, hein. Allez, on rentre chez Oleg. Bien évidemment. On n'en avait pas assez eu pendant qu'on se reposait, je trouve. Bah, des mythes. Bah, on est en paix. Est de nouveau en paix. C'est pas très dangereux les mythes, hein. On aurait clairement pu aussi les massacrer, mais bon. On n'est pas là pour massacrer tout le monde. Ah, je suis pas arrivé. Ah, je me traîne. En même temps, c'est ça de trimballer un chaudron sur son sac à dos, c'est lourd, hein. Tout le monde attend. J'espère que t'es fier de toi, Mowen. Pas grave, ça fait toujours plus de butin à vendre. Voilà, on est arrivé. Alors ne vous inquiétez pas, ici on va pas attendre, tout simplement parce que au comptoir d'Oleg et dans votre plus tard dans votre safe zone, voilà, la vitesse n'a aucun impact. Vous pouvez vous balader autant que vous voulez, comme vous voulez. Hop là, voilà, tout ça. C'est viré, ça nous fait 900 balles de plus. Et j'ai une recette. C'est vrai que des fois je pourrais préparer autre chose que le repas basique. J'ai pas racheté de trucs de camping. Je pourrais. Pic de guerre, baguette de coups au but, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas regardé si je pouvais les apprendre. Je peux pas. Poser les potions, bien sûr. Et on peut repartir. Faut que je me récupère du matériel de camping. J'en ai. Deux. Voilà, j'ai pris de quoi camper qu'une seule fois. On va partir tout de suite. Et on y
Retourne, vieux sycomore, bien sûr. Sachant que vous le voyez, mais Amiri et Valérie ont toujours des affaiblissements de dextérité. Hein. Tout n'est pas soigné avec une nuit de repos. D'ailleurs, normalement, Arim a des sorts de restauration. Pour ça que je lui ai pris ces sorts-là. Voilà, on n'a plus de malus. Et on peut redescendre. Bon. Oh, tout de suite qu'on remonte. Valider la quête du casque de l'araignée là. Voilà, là-bas ça devait être du coup ce qui descendait et ce qui connectait en haut. C'était là-bas l'araignée. On pourrait franchir le pont et je pense que c'est ce qui est connecté en bas. Pâquerette, toi venir. Eh bien, Choupinette. La mythe préposée à la garde de la porte vous sourit en vous apercevant. Ah oui, mais ça, on l'a déjà fait. Voilà les mandibules que vous vouliez. Parfait. Je fais beau casque. Voilà le pied du pont, brave allié. Moi dire à personne vous prendre trésor. Merci. On va s'en sortir. Tout se goupille bien là. Sauvegarde. Oui, pas remis les bouts de levier. Là, il y a eu la guerre juste là. Et le fameux trésor. Et que là, on ne peut pas passer. On a pu prendre le trésor que l'on voulait. Donc maintenant, on redescend. On va juste checker. On va descendre par là-bas. On va vérifier que ça redescend bien ou je pense que ça redescend. Pratique hein, de pouvoir cliquer sur la carte pour qu'ils y aillent. Normalement là ça doit redescendre tout en haut de la carte en dessous. Il n'y a peut-être pas d'étage en dessous, j'avoue que je me souviens plus de tout. Oui c'est ça, là ça doit remonter directement au camp des kobolds. Et nous on veut aller là. Je vienne là. On remonte et là normalement on est de l'autre côté du pont. Le pont qu'on a réparé est à peu près là où j'ai mis mon écran. Donc là, on va être de l'autre côté du pont. Là-bas, on avait le camp des mythes. Au-dessus, hein, bien sûr, il faut visualiser. Donc en bas, là, ça va être le camp des kobolds, bien sûr. Beaucoup de chargement là pour pas grand chose.
Super. On est où je pensais qu'on était. Jusque là, c'est bon. C'était juste blindax d'araignée. D'ailleurs, Lindsay, si tu pouvais me... désactiver ça avant que quelqu'un marche dessus. Merci. Vous voyez, là, on est au niveau du pont. Ah bah d'ailleurs... voilà. On a connecté la carte. Ça, ça nous arrange. Super. Piège déclenché, toile d'araignée. L'un des pires pièges et l'un des pires sorts du jeu. Voilà, c'est la joie. Hein. Voilà, c'est bien ce que je pensais, il y avait quelque chose là-bas. Toutes les quelques secondes, voilà, mes personnages vont faire un test pour savoir s'ils arrivent à se dépatouiller des toiles d'araignée. Et certains personnages comme Valérie s'en sortent le moins bien des fois, ou Arim. Ah super, en plus on est en combat. Bon, ça va, j'ai des combattants quand même plutôt efficaces qui sont sortis de la toile. Allez, venez tous là. Vous allez y arriver. C'est jouable. Peut-être un jour. Sinon, ça va, vous ? La forme, tout ça, tout ça. Pauvre Arim, il est jusqu'à demain là-bas. Bah, vous savez quoi ? Plutôt que d'attendre bêtement qu'Arim se débloque, de toute façon, je viens de regarder le chrono. Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vais attendre, bien évidemment, que Arim s'en sorte hein, avant le prochain épisode. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.